Bonjour, bienvenue à Saint-Barthélemy. Viado? Oui. Bah oui, toi. Bah, tu oublies de l'apprendre. Moi, j'ai déjà vendu ça. Hein. Donc, je vais te faire une autre. Bah, je passe demain soir ou tu dis quoi? Non, on n'est pas samedi là, on est dimanche là. Aïe, toi, tout ce que tu as vu, c'est y'a du dire aïe. Bah, tu passes demain, lundi, demain soir, oui. Moi, je vais faire un tour à Saint-Barthélemy et après, vous pouvez pas mettre les cas, s'il vous plaît. Hein? Merci. À tout. Tu dis quoi? Mais tu me. Attends, tu me prends pour qui toi? Franchement. Tu vois que moi je ne veux pas de vie? Hein? Je ne peux pas monter et te faire manger, tu ne prends pas, tu pars comme ça. Mais tu vas manger quand il n'y a rien à manger. Les gens viennent mettre les têtes de moi ici. Vous êtes là, vous regardez. Nous, on est à Saint-Barthélemy. Ah. C'est comment ça? Putain. Les gens qui me saoulent là. Bienvenue à Saint-Barthélemy. On met la musique de Saint-Barthélemy. Battery 5. Connected to Galaxy A11 and Galaxy A24.
Sometimes it's so happy. They stop in your rhythm, they'll put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray, gather around you, shine it night and day. All along the beach, a party in the moonlight. The soca sounds to make the feeling of the tune right. Jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line. Dance, soca dance, soca dance. No more. Come on, everybody, let's have a good time. You over there. Paradis. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Tout le monde a voyagé cet été, sauf moi. Ceux qui sont partis au Cameroun, d'autres qui sont partis aux États-Unis. Tout le monde a voyagé. Moi, j'ai attendu le moment propice parce que moi, je dois voyager quand tout le monde n'est pas en vacances. Je dois avoir la plage libre uniquement pour moi. Donc là, je vous invite à mon Saint-Barthélemy à moi. Donc moi aussi j'ai voyagé. Je suis à Saint-Barthélemy. Les cocotiers, le soleil, une belle plage. Je veux faire comment? Si personne ne m'amène à la plage, moi-même je crée ma plage chez moi. Il faut créer vos plages. Hein? Alors, moi je suis à la plage, je suis à Saint-Barthélemy. Mais il fait beau aujourd'hui, alors là, mais voilà, il faut sortir. Il faut aller à Saint-Barthélemy. Hein? Ah oui, c'est comme ça. Si Saint-Barthélemy ne parle, vous ne partez pas à Saint-Barthélemy. Payez votre Saint-Barthélemy chez vous. Vous nagez aussi. Ah. Oh là là. Oh là là, que c'est beau. Oh là là. Le soleil, la plage, les beaux hommes, je ne vois même pas, mais bon, il y en a qui vont arriver. C'est quoi? Moi, je vais à la plage. Moi, j'ai ma plage privée, Saint-Barthélemy. Moi, je ne pars pas quand tu ne demandes pas. Hein? Moi, ici, je fais en passant un très bon séjour, moment de relaxation. Ouais. La marée basse vient d'arriver, la marée basse vient d'arriver. Ouais. Il est en train de descendre. On appelle ça la marée basse. Bon, je me relâche d'abord bien. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on va finir les tirs qu'on a commencé hier. Ouais, il y a la marée basse. La
pareil, bah, ça arrive. Mais toi, c'est quoi, c'était une souffrance. Pourquoi tu me souviens comme ça, là, devant les gens? Oh, la pauvreté n'est pas bonne, hein. L'autre, il va y assez retiré. Ouais. Ce n'est pas bref. Ah ouais. Les jours merveilleux. Les jours merveilleux. Je suis dans ma plage, je contrôle ma pareille basse ici. L'eau va tout partir, me laisser ici. Ah ouais. C'est un petit moment de détente, hein. Le mari ne donne pas. Pourquoi? Mon maillot donne. Mon maillot donne avec l'eau. L'eau est turquoise ici. Hmm? L'eau est turquoise à Saint-Barthélemy. Hein? Donc j'ai porté le maillot qui va avec Saint-Barthélemy. Soka dance, soka dance. Je dois nager avant que la marée basse arrive. Parce que la marée basse va y partir. Oui, je suis camerounaise. 100% camerounaise. Oh, de Saint-Barthélemy, j'ai dit. Allez vous faire foutre. Ça, c'est le pochon. Ouais. Plus belle que moi, tu meurs. Mais si je dois tuer la pareille basse, il est en train de partir. Bien sûr. Mais je vais mettre le bikini. Non, je vais acheter. T'as dit? Je vais acheter le maillot. Je reste dans les taxis. Le taxi bus là qui nous porte ici là. Je reste là-bas. Je reste à escaper ici donc. Quand j'aurai le temps, je vais acheter le. Si tu fais beau demain passé, Saint-Barthélemy. Je livre quoi? Il faut bien dire ce que je dois livrer ici. Quand les blancs font pour eux, Saint-Barthélemy, là-bas, vous ne voulez pas. Quand les noirs partent faire pour eux. C'est quand je vois une femme dans, à Saint-Barthélemy. Hein? Ah. Laissez-moi, je prends mon temps. Parce que tout à l'heure là, on va parler de la soirée d'Abutu. Mm-hmm. Si vous voulez me tromper, ici il y a le maquereau, il y a les misunga, il y a la bière, il y a le vin, il y a tout. C'est de ça que ne venez pas ici à 18h20h30, tu n'as pas me déranger ici là, comme il y a une... Non, c'est bon là. On appelle ça le last time. Parce que j'ai quelqu'un qui a dit qu'elle allait vous livre. Maman, regardez le corps d'une randonneuse. Maman, les jambes d'une randonneuse. Regardez. Aïe. Une sportive renommée comme la veuve joyeuse. Non, je relaxe mon temps. Relax time. Ne vous inquiétez pas. On va finir l'histoire de la Poutou parce qu'aujourd'hui. On va encore parler un peu de quelqu'un, après on va aller chez Lolo et on va finir chez les Ivoiriens. Pour l'instant, ça fait vraiment du bien. Hein? Faut se, temps en temps, c'est bien d'aller à la piscine, tu nages. Ouais. Oh, que le ciel est bleu. Oh. La vie, c'est comme ça. Hein? C'est
Si vous n'allez pas à la plage, créez vos plages chez vous, vous nagez chez vous. Si vous allez attendre que quelqu'un va vous amener à Saint-Barthélemy, vous allez attendre longtemps. Moi, j'ai créé mon Saint-Barthélemy ici. Et là, je suis à Saint-Barthélemy, sur la plage. Bon, là, maintenant, on va nager. On va aller voir les maquereaux et les barracudas et les requins. Je mets de bons gros crabes. Maman, je suis même bien épilé là où tu as un chaud aussi. Je viens de boire un requin. Oh, ça fait du bien. J'ai tellement nagé que je souffle même. Zaba, il faut aller Dieu d'abord bêtise les. Zaba a fait quoi? Je me demande pourquoi c'est extraordinaire. Tout est extraordinaire chez les Africains, hein? C'est marrant. Hein? Oh. Quand on a sa plage privée à Saint-Barthélemy, ah, vous venez prier à Zaba, 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 quoi ici? Aujourd'hui là, je vais vous maudire plus que ça. On fait d'abord relax time. Après, on va aller dans les durées des 18h. Parce que aujourd'hui, je vais framponner que Hoa. Écoutez. Vous qui m'appelez bien chouette là, si vous n'avez pas de beau corps, c'est pour vous là-bas. Moi, je n'ai jamais dû me randonner, je suis une belle femme. Hein? Si vous ne pouvez pas faire ce que je fais, taisez-vous et quittez mon direct. Aka, je vous assure. Les villageois, quand les blancs font pour eux là-bas, vous allez applaudir comme ça, vous allez commenter, vous allez être content parce que vous voyez une femme blanche ou une métisse qui fait sa part. Quand la passe, ma mère, la grand-mère, votre bolivot fait sa part. Ça devient que Aka, Aka, Aka de quoi? Va faire ta part chez toi, ne va pas faire une peignoir, va faire chez toi. Moi je plonge. Mais je viens de voir un gros bar. Un gros bar qui nage au fond. Bon, j'ai réfléchi. Je pense que j'ai trop nagé. Comme j'ai trop nagé, il faut que j'aille manger. Ramène quoi les gambas? Voilà, là je vais manger là. Mais c'est parce qu'elle permet de passer toujours autant de bons moments que sa chère pute revient acheter.
partir sur le bon coin et lui faire dire de télécharger l'appli. Voilà. Parce que vous savez que la plage est très souvent, non? Coucou. Ton téléphone. Comme la plage est creuse, maintenant on mange le gombo. Notre fameux gombo d'hier soir que j'ai fait hier soir dans la nuit ici hier soir. La dame là est partie laisser son gombo ici. Laisser toute une mamie de gombo. Et moi-même je m'assois sur ça. De toute façon, c'est payé. C'est ta seule putain de mère qui a honte. Honte de quoi? Quand tu vas regarder les films pendant dans le noir pour te branler la chatte, tu n'as pas honte. Tu sais que Dieu ne te voit pas, hein? Salope. Trop bon. J'ai mangé encore mangé. On dit que les blancs d'aiment avec des fous. Ah bon, hein? Quand le foufou gombo commence à me déranger pas. Non, le foufou n'était très réussi, trop bon même. Elle dit maintenant qu'elle va venir chez le gombo, elle dit que le gombo encore. Elle voulait seulement se mettre à l'aise. Oui, mais pour moi, c'est que dans ce cas-là, il y a les jupérois, tu pars avec. Parce qu'elle est partie, comme elle a dit, la nourriture qu'elle a acheté à Château Rouge. Elle pouvait aussi, je pouvais lui mettre ça dans les jupérois. Elle part avec. Parce que c'est le réveil le matin qui est un problème. Hein. Mais oui, quand tu passes une journée mouvementée comme hier soir, là, il faut aller le lendemain, il faut bien manger, toujours bien manger. Non, laisse. Les derniers clients du Nganda. Ils m'ont rappelé les clients qui sont venus la dernière fois. Maman, c'était chaud ici. Maman, je me suis appuyé que je sors. Pour les faire partir, j'étais obligé de mettre les talons. J'étais obligé de mettre les talons et m'habiller pour dire que sortons. Parce que je ne faisais pas ça. Ceux qui sont encore là. Dès que nous sommes arrivés là dehors, là, j'ai dit que ici, là, tout le monde. J'ai créé un scandale là-bas dehors, là-bas. J'ai créé les poubelles dehors. Je suis monté ici en courant. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, je suis monté en courant. Oui. Là, je cours trop. Le problème, c'est que je cours trop dans le couloir si je n'aime pas tout là. Non, parce que vous voulez m'amener. Tu me vois, moi, il y a bien mené, moi. Je dis que bon, allons, bon, on va sur les champs. Il y a les cafés qui ferment jusqu'à 6h, 8h, même qui sont 24 sur 24, 7 jours sur 7 ici sur les champs. Ou à Châtelet, on parle à Châtelet. Je comprends qu'on va m'amener où? On va m'amener à Blanc-Ménil. Mais attendez un peu là. On vit en France, hein? Je ne dis pas que les habitants de Blanc-Ménil sont. Que je suis meilleur que eux. Mais vous me. J'ai quitté le 92 pour aller dans le 95 et tout ça. Non. Il n'y a rien que quoi? Les poules qui marchent en route le matin. Les bœufs qui passent. Moi, aller là-bas. Dans les trucs qu'on appelle ça comment? Les boxons là. On appelle les boxons là comment? Dans les bois de nuit. Incertains là. Que quand la police arrive, les gens ne sont pas vaccinés, les Covid qui rongent là-bas, moi je vais aller là-bas. Ah ben non.
c'est la fin, c'est elle. Mon gars, c'est un quartier que maman. Je le mets dans les pieds. Mais il y a quelque chose qui cloche. Les quartiers que tu appelles là, les quartiers sont que les Waros. Sans vous mentir, tu appelles tout ce que tu peux appeler. Ils ne viennent pas. Hein. Les taxis ne viennent pas là-bas, hein. Même les Hitch. Les Hitch ne viennent pas parce que d'abord, hein. Tu as vu bien venir, où c'est beau là-bas, je connais. Yeah, c'est bon. Mais quand tu pars là-bas sans voiture, tu es perdu. Tu es perdu, oui. Parce qu'eux, ils ont les zones industrielles là-bas, c'est là qu'ils font leur soirée. Oui, parce qu'il y a beaucoup de zones industrielles là-bas, donc... Mais oui, le matin, comme ça, tu entends que... Ramène-moi à 90, parce qu'ils vont prendre... Il faut d'abord prendre l'autoroute. C'est là-bas où, en fait, ce sont les soirées à la con, là, qui... Avec les deux personnes, là. Vous pouvez pas... Je ne dégaine pas, hein. Il y a les habitants bien qui vivent là-bas, mais pour les soirées à la con, comme ça, là, en pleine nuit, dans un champ de maïs... On m'a mis dans un champ de maïs. Non, non, non. Vous avez écouté quoi qu'on partait ici là? C'est à côté, on partait dans un bon verre et tout. Mais ils ne voulaient pas aller là-bas. Ils voulaient m'amener dans les endroits. Moi, il dit que niet. Regarde un bon goût. Alors qu'elle a payé ça cher, hein? Très cher. Hein? Si vous dites le prix qu'elle a payé ça combien? Très cher. Elle a payé ça 75 euros. Elle n'a même pas mangé. Quand je lui ai dit, mais prends. Je lui ai dit, mais prends. Elle dit, mais non, je n'ai pas envie de manger ça. Elle m'a dit, où est-ce que moi, elle fasse quoi? Moi, je m'assois sur ça que vous voyez. Demain, je vais lui faire le gombo, mais ça ne serait pas bon comme ça. Parce que ça, si j'ai uniquement fait ça, avec le poisson fumé, quoi. Il n'y a que les crevettes qui ne sont pas... Je ne donne plus. Et quand on nage comme ça, après on a faim et ça creuse. Hein. Le gombo de ça. Comment dire mon la gloire glorieuse. Maman avait les sols fumés. Puis l'a raté. On dit comme quelqu'un laisse, quelqu'un prend au ça la vérité. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Non, mais il ne voulait même pas. Il ne voulait pas manger, Je te le dis. Ouais. Le gars avait bien chanté que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Comme ça, tu vas jouer. Hein? Il va peut-être venir manger sinon. Elle m'a dit la veuve. Tiens-moi le. Tu peux pas le dire péruan, non?
Moi, je prends mes sunga, je viens du Péroi. Donc, parce qu'ils avaient commandé trois mes sunga, ils ont mangé deux plats. Mais dans notre plat, c'était bon jusqu'à maman. Je dis qu'en partant, ils étaient déjà tellement sous. Je dis que. Je donne ma sasse que porte. Elle dit que ah, moi, je suis fatiguée, je ne parle pas, je suis fatiguée. C'est resté là, maman. J'ai revendu ça que vous au prochain client qui vient me soumager. La soirée d'approche est finie. La vie continue en Ganda. Connectez-vous à 18h. Maman la somme de ça. La femme l'a raté. Une grosse mamie comme ça. Une grosse mamie bien remplie. Le bénéfice de ça. Merci pour le cœur. Isa, envoie ce commande et te vois plus en Ganda. Tu ne viens plus en Ganda. Isa, envoie. La belle ivoirienne de tous les temps. Le Congo là, non. Il est touché ça. Tu as bien mangé. Il faut dire merci à la cliente Dieu qui a raté le... qui a laissé sa nourriture ici. C'est pour ça que la boisson n'est pas bien. Moi, alors que moi. Oui, et elle a vraiment faim. Moi, je suis assis sous comment. Tu as vu au frigo, regarde avec ça. Même si c'est le champagne que je bois, que je n'ai pas fini mon champagne, on me met ça dans le plastique. J'amène ça à la maison. Même si je me laisse 3 ailes de poulet, je vais demander qu'à emballer moi ça jamais. Madame, si ta nourriture va là vraiment faire vomir, quand on voit ton sale visage, Madame Sim, hein? C'est ton visage qui me fait vomir. Les Africains mangent ça. Si tu n'es pas africaine, c'est ton problème. Si tu n'as pas d'identité, c'est ton problème. Ça, c'est le couscous. Ma nourriture va faire vomir. La jalousie, vous avez fait quoi? Tu sais pas ce qu'on appelle le gombo? Tu sais ce qu'on appelle le gombo? Hein? Quand tu es là, tu as fait là où tu avais ton lait visage noir. Ils sont comme ça. Tout le monde mange le gombo. Même en Chine, on mange le gombo. Même si des Arabes mangent le gombo. Et puis le gombo a des bonnes vertus. Si tu as faim, tu dégages de mon mur. Si tu as faim, tu viens là, je te donne l'adresse, tu viens. Il y en a encore, je te donne un peu, tu manges. La nourriture l'a fait vomir, oui. Comme ton sac disant qui me fait vomir. Tu as l'air d'être un musulman. Hein? Les musulmans ne connaissent pas le gombo. Qui ne mange pas le gombo? Qui ne mange pas le gombo? Mais on va le gombo suggérer, non? Maintenant, je mange ma nourriture. Merci. Si tes parents ne t'ont pas appris à manger le gombo, ça veut dire que tu es un enfant maudit. Ça veut dire que tu es un enfant qui a grandi à la DAS. Parce que la DAS ne nous donne que les sujets là-bas. L'autre dit là, ma bouche semble très dégueu. Un des du don. Hein?
On a quitté dans mon mur parce que j'ai besoin de vous énerver là, je vous bloque vous tous. Quittez dans mon mur. J'ai besoin de m'énerver là avec vous, je vous bloque vous tous. Laisse les musulmans tranquilles. Tu me connais, moi, mais je suis musulman. Hein? Les musulmans sont les kidis. Donc, moi, mais je suis mon père musulman. Je suis musulman. Tu me connais où? Les musulmans mangent le gombo. Je suis musulman. Comme tu ne connais pas, alors je suis musulman, d'accord? Oui. Laisse les musulmans tranquilles. Pour dire que les musulmans mangent le gombo, ça devient un problème. Hey! Massa. Tu sais pas, je suis qui? Mon père est musulman. Hein? Je suis du Nord Cameroun. Hein? Imbécile, va. Laissez les musulmans tranquilles. Vous aimez attendre que vous aimez les musulmans. Vous qui égorgez les gens tous les jours là. Des terroristes comme vous. Bannis de cafards. Les gens qui mangent avec le couteau. Tu viens de prier à la Wakuba ici là. Et tu peux égorger le voisin en face. C'est ça être musulman. Les vrais musulmans sont pieux, ils craignent moi, mais ils prient bien. Pas les musulmans qui disent là que je suis musulman dans la bouche, alors que vous avez le couteau pour égorger votre femme, pour égorger vos enfants. Vous baisez avec vos hommes, vous baisez avec les frères, vous baisez avec vos soeurs, vous baisez avec vos mamans. Pourquoi vous ne connaissez pas ça? Allez! Bah ouais. Et ils aiment ça. Dès qu'on parle des musulmans, on dirait que les musulmans sont exceptionnels. N'importe quoi. Ah, mais il faut dire merci à notre soeur aussi. Elle nous a déposé le bonbon. Le gombo de la doit nourrir. Je suis à la plage. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis à Saint-Barthélemy. Je viens de manger. Et je bronze au soleil. Je vais prendre mon chapeau et je vais bronzer. C'est les quilles, donc. C'est de ça qu'il s'agit. Sous le chef, Lorraine appelle la police. Quand les agents arrivent sur place,
N'est pas belle la vie. La vie est beau. Vous avez de la joie. C'est ça qu'il s'agit. Bon, l'heure des cassettes était arrivée. Le fait que la ait eu lieu la nuit d'Halloween, la rencontre de Fouille. Ah, mais c'est ça, j'en sais même. Vous avez fait un cas. Hé, partez de mon direct. La veuve de Congo là est Lolo, mais les obstacles de ça. Bon appétit. On vous a dit que tout le monde prépare son gombo pareil. Ça, c'est le gombo des gens qui ont bu. Hein? Ça, c'est le gombo des gens qui ont bu le mat- la veille. Si vous pouvez préparer plus que moi, il y a gombo et gombo. Ça, c'est le gombo des gens qui ont bu. C'est comme le bouillon. Vous savez pas qu'il y a le bouillon de gombo? Hein? Vous savez pas qu'il y a le bouillon de gombo? Vous croyez que tout le monde prépare son gombo pareil? Vous connaissez toujours. Hein? Et le gombo bien bouillant, ça dépend de la quantité d'eau que tu mets. Ça, c'est un gombo spécial. Ça, c'est le gombo des gens qui savent vivre. Quand tu rentres le matin, tu te tends à quantité de gombo aussi. Tu peux même boire ça avec la cuillère. Tu dors bien. Hein? J'ai mis la crème solaire. Non, je suis en bas du cocotier. Je ne suis pas au soleil. Mais la seule personne présente n'a pas vu le visage de l'assassin. Manda Sim, au revoir. Tu es resté longtemps ici, pétasse. Voilà. Nous ne pouvons pas fournir à la police le moindre détail décrivant l'agresseur. Les enquêteurs décident de rendre visite aux habitants. Elle n'a pas réussi de prendre. Elle devait sortir pour aller loin. Allez dire que la cliente a un. Oh là là. Laissez-moi. Je suis à la plage privée, si vous voulez me chercher des problèmes. Bah, les gens sont, vous allez mourir tous là. Personne d'entre nous va entrer ici. N'oubliez pas que... Hein? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans les grands directs, on va définir les robes des soirées. C'est à 18h, n'oubliez pas. Là, je fais relax time. Oui, Boboroi. Vous êtes des villageoises. Vous me faites tellement pitié. J'ai envie de vous casser la gueule, mais j'ai. Ah là là. Karine Gamani, la veuve a lavé les mains. Va laver les mains chez toi, sale pute. La veuve a lavé les mains. Vous avez des problèmes avec les mains. Je ne peux pas mettre la crème solaire, je vous ai dit ça. Je viens de nager à Saint-Barthélemy. Je suis à l'ombre. Je suis à l'ombre des cocotiers. Je veux mettre la crème solaire. Pourquoi? Si je suis au soleil, oui, je mets la crème solaire, mais je ne suis pas au soleil. Je suis à l'ombre. Je suis à l'ombre. Je suis
à bas des cocotiers. Il ne venait pas me déranger. Elle n'est pas belle la vie. Loli n'a que sa voix dimanche, ma grande. Son cadence. Son cadence. Lolo, tu as fait quoi chez moi? La vie, ça me regarde avec vous. Le petit farfaron a bien fait quoi chez moi? Ah oui, la vie est belle, hein? Moi, j'ai fini de nager, là, je bronze. Je bronze au soleil. Bon, mais ouais, je devais vous laisser. Je vais me reposer. Pour savoir quand il finit de marcher comme ça, la première des choses, c'est de me reposer. N'oublions pas, à 18h, on va parler des robes de soirée. Tu as peut-être les dates. Hein? Je ne sais même pas comment tu as les jetons à Arissé. Quoi? Mais quand tu partais, il fallait même que tu sortais et te donner l'argent que tu achetais les DAX et tout. Il faut que tu achètes les cigarettes. Quand tu partais, il fallait me dire au revoir que tu payais, donner l'argent que tu payais les cigarettes. Et moi, je voulais, je suis obligé de sortir payer les cigarettes. Je me rends de cette situation. J'aime bien quand je finis de manger comme ça, je fume. Tout à l'heure, mais voilà, ça a 18 ans.